traditionnel échange de vœux entre les autorités religieuses de Terre Sainte. Custodie, patriarcat latin et église orthodoxe ensemble pour fêter Noël. La communauté franciscaine et avec elle plusieurs centaines de pèlerins s'est rassemblée au Champ des Bergers le jour de Noël pour faire mémoire de l'annonce de la naissance de Jésus de la part de l'ange. Toujours moins nombreux, les chrétiens de Bethléem se voient mis au défi de perpétuer la présence chrétienne dans la ville de naissance de Jésus. Une rétrospective pour revivre mois après mois les événements fondamentaux qui ont marqué l'année 2016 en Terre Sainte, une année de changement et de nouveautés. Ce fut pour la Ville Sainte une matinée intense, rythmée par la marche majestueuse des Kawas, les batteurs coiffés du fez ottoman, qui précède l'arrivée des divers cortèges. Les églises chrétiennes orientales se sont en effet rendues à la custodie de Terre Sainte, ainsi qu'au patriarcat latin de Jérusalem, pour le traditionnel échange des vœux de Noël. Comme le veut l'ancienne tradition, les Grecs orthodoxes, les Arméniens, les Coptes et les Syriaques orthodoxes se sont succédés à la custodie dans un climat de fraternité, de joie et d'harmonie. Collaboration, respect et compréhension réciproque ont été à la base de l'échange des vœux et ont montré, encore une fois, l'importance d'une communauté chrétienne unie dans la foi comme dans la vie quotidienne. Une occasion pour exprimer les liens de fraternité et de solidarité que... C'est une occasion pour exprimer les liens de fraternité et de solidarité qui, de fait, sont réels, parce que ces dernières années, les principales communautés ont collaboré ensemble, notamment les communautés latines, grecques orthodoxes et arméniennes, pour la restauration du tombeau du Christ. Il y a aussi une collaboration pour les travaux en cours à Bethléem, et d'une manière plus large, pour la garde des lieux saints, et surtout de la communauté chrétienne. Si nous sommes unis par de bonnes relations, par des relations fraternelles, si nous nous présentons plus unis, comme minorité chrétienne, il est évident que notre voix sera mieux écoutée. Comme chrétiens, essendo minoranza, è evidente che la nostra voce può essere ascoltata meglio. Les délégations des différentes églises se sont ensuite rendues au patriarcat latin, une tradition qui se vit chaque année, car comme l'a souligné l'administrateur apostolique dans ses vœux au patriarche grec orthodoxe, ils sont signe de l'harmonie et de l'importante collaboration, non seulement pour la garde des lieux saints, mais aussi pour les communautés. Nous sommes peu nombreux, et les problèmes ne manquent pas entre nos communautés, mais dans le même temps, nous sommes un. Nous devons travailler ensemble et montrer comment, en dépit de tout, nous appartenons à cette terre et à ses racines. And it's a great opportunity for us. This is the occasion that we take the opportunity to renew. C'est une grande opportunité pour nous. C'est l'occasion de renouveler notre relation fraternelle, de renforcer notre mission ici. Nous avons un intérêt commun et une mission en Terre Sainte. Celle de prendre soin non seulement des lieux saints, qui sont notre témoignage de foi, mais aussi de prendre soin de nos communautés, de nos fidèles. Travailler ensemble pour le bien, la paix et la réconciliation en Terre Sainte. Our people and to work together for the well-being and for peace and reconciliation in the Holy Land. Dans l'après-midi du 25 décembre, une foule de pèlerins s'est rendue au Champ des Bergers. Venus du monde entier dans le lieu saint gardé par les franciscains, les fidèles se sont unis aux frères pour faire mémoire de l'annonce de l'ange aux bergers. Tandis qu'ils passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux, raconte l'évangile, l'ange leur apparut et leur dit que cette même nuit, un sauveur était né à Bethléem. Et comme signe, ajouta-t-il, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Aujourd'hui, nous avons voulu rappeler ces événements. En premier lieu, l'annonce de l'ange aux bergers. Ceux-ci partent ensuite à Bethléem
restent émerveillés de ce qu'ils voient et vont ensuite le raconter. Et on dit que Marie gardait toutes ces choses en son cœur, les méditait, car ces personnes, toutes simples, ont su admirer, vénérer et contempler Dieu qui s'est fait petit enfant. Cet épisode biblique lié à la naissance du Sauveur porte en lui un message d'espérance, car les bergers étaient alors des personnes pauvres, donc exclues et considérées comme sans importance. Et l'angelo, quand le Seigneur Jésus est né, l'ange se rend auprès de ces personnes simples. Cela signifie que Dieu n'oublie personne. Dieu vient parmi les humbles, les derniers. Et cela est une grande consolation pour nous. Cela nous donne de l'espérance quand nous reconnaissons que, pécheurs et pauvres, nous avons besoin du Seigneur qui nous accueille toujours. La liturgie des franciscains a réuni en prière des dizaines de pèlerins dans la petite grotte. C'est une expérience historique et très spirituelle d'être ici pour la quatrième fois, mais pour la première fois en ce temps de Noël. C'est une expérience gratifiante. Dans ce lieu simple mais accueillant, tous ont rappelé l'adoration du nouveau-né, l'adoration des bergers, et ont salué l'enfant Jésus avec un baiser. La foule qui a fait entendre sa voix dans cette grotte a rappelé le cœur des anges qui s'est uni ici après l'annonce aux bergers pour chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Youssef et Manal sont mariés depuis 13 ans et ont 4 enfants. Leur famille, chrétienne, vit à Bethléem où ils sont tous nés. Les enfants apprennent très vite la valeur de ce qui est sacré. Je suis fière d'être originaire de Bethléem où Jésus est né. J'aime aller à l'église parce que Jésus y est né et je prie pour la paix. J'aimerais devenir religieuse. Je lis la Bible tous les jours et j'aime beaucoup les cours de catéchisme. La famille Mossalam fait partie des 20% de chrétiens, toutes dénominations confondues, que compte la ville. Les catholiques représentent en tout 40% de ceux-ci. La très grande majorité de la population est musulmane et les relations entre voisins sont cordiales. Nous n'avons aucun problème. Pour nos fêtes, ils viennent à la maison célébrer avec nous et nous faisons de même à l'occasion de leurs fêtes. Jusqu'ici, nous n'avons eu aucune difficulté. Mais en lisant les nouvelles d'ailleurs, nous avons peur que les problèmes en Syrie et en Irak entre musulmans fanatiques et chrétiens ne se produisent ici. Même s'ils ne sont pas confrontés à une violente persécution comme celle qui touche certains pays du Moyen-Orient, les difficultés que rencontrent les chrétiens de Bethléem les poussent à quitter leur terre natale, surtout les jeunes. Parmi les destinations choisies, les États-Unis et les pays européens. Le père Marwan, franciscain vivant à Bethléem depuis 12 ans, évoque les raisons qui poussent les chrétiens de la ville à l'émigration. Ils partent pour avoir une vie meilleure, pour assurer un avenir plus sûr à leurs enfants. Notre vie, au niveau politique, est toujours imprévisible. On ne sait jamais quand va éclater une guerre, une intifada, quand il y aura une nouvelle agression ou autre violence de ce type. Celui qui a vécu cela ne veut pas de ces choses pour ses enfants. Il veut qu'ils aient une vie paisible, tranquille et sereine. Youssef est vétérinaire. Il affirme que le coût de la vie est élevé et qu'il faut travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Si tu veux rester ici, tu dois beaucoup travailler et avoir plus d'un travail pour vivre. L'Église catholique en Terre Sainte poursuit sa mission de soutien des chrétiens locaux, afin qu'ils puissent rester dans leur ville. La custodie de Terre Sainte, par exemple, est face à ce grand défi, celui de chercher à maintenir la présence chrétienne en Terre Sainte,
parce que nous avons peur qu'un jour, nos églises et nos sanctuaires deviennent des musées, et nous ne voulons pas de cela. Nous voulons, certes, les sites archéologiques, les lieux saints, comme le Saint-Sépulcre, la Nativité, mais nous voulons aussi les pierres vivantes, que sont les chrétiens de ce pays. Les pietre vive sono i cristiani del paese. Pour soutenir la situation économique des chrétiens, la custodie franciscaine s'occupe de paroisses et de projets sociaux, construit des maisons et des écoles, et a également en charge l'instruction universitaire. Tutto si fa, tutto è possibile fare, però alla fine. Nous faisons tout notre possible, mais l'émigration se poursuit malgré tout. Tout simplement parce qu'il faut une certaine conscience pour rester. Si la personne n'est pas convaincue qu'elle doit rester, qu'elle doit être missionnaire sur sa terre, tout ce que nous pourrons faire ne pourra pas suffire. Au-delà des difficultés, les chrétiens de Bethléem auront toujours un privilège, celui d'appartenir à la même terre que Jésus. De cette terre où ils sont nés, une lumière a jailli, apportant le salut à l'humanité. Et cette joie, personne ne la leur enlèvera. Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a happy New Year! Accueillant l'invitation du pape François, la terre de Jésus a ouvert ses portes saintes pour le jubilé de la miséricorde. La première a été celle de Gethsémani, suivie par celle de Bethléem, la nuit de Noël 2015. Et ensuite, celle de Nazareth, dans la basilique de l'Annonciation. Gaza, Haïfa, Amman et Nicosie, des milliers de pèlerins du monde entier ont prié dans ces sanctuaires à la recherche du visage miséricordieux du Père. Le 20 mai, un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège en faisait l'annonce. Le Père Francesco Patton est le nouveau custode de Terre Sainte. Il succède au Père Pierre Battista Pizzaballa qui a guidé pendant 12 ans la custodie de Terre Sainte. Le 6 juin, porte de Jaffa, Jérusalem a accueilli le nouveau custode. Je viens en frère, avec la certitude que c'est Dieu qui guide notre destin, ont été les premiers mots du père Francesco Patton. Ils furent nombreux à l'attendre avec les frères franciscains, le nonce apostolique Giuseppe Lazzarotto, une délégation du patriarcat latin, des représentants d'autres confessions chrétiennes, des autorités civiles et des congrégations religieuses. Le mois de juin a vu le départ du patriarche latin de Jérusalem, Fouad Toile, après 8 années au service de l'église mère. Le pape François a accepté sa démission, présentée en raison de la limite d'âge atteinte. La Terre Sainte l'a remercié par de nombreux gestes de gratitude. Le 24 juin, le pape nommait le père Pierre Battista Pizzaballa administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, sede vacante, l'élevant au rang d'archevêque et lui assignant le siège titulaire de Verbe. Le 28 septembre mourait Shimon Peres, le dernier des pères fondateurs de l'État d'Israël. Parmi les moments forts de la vie de l'ancien président et prix Nobel de la paix, rappelons la rencontre pour la paix avec Mahmoud Abbas, le pape François et le patriarche Bartholomé Ier le 8 juin 2014 dans les jardins du Vatican. Pour beaucoup, une rencontre historique. Après 206 ans, chercheurs et autorités religieuses ont pu voir de nouveau la roche où a été déposé le corps de Jésus après sa crucifixion. Pour la première fois depuis 1810, la plaque de marbre recouvrant le lieu où se trouvent les restes de la roche du tombeau du Christ a été enlevée. L'unique précédent remonte à 1555. Les travaux de restauration en cours devraient se terminer d'ici à Pâques lorsque les communautés présentes à Jérusalem et dans le monde entier proclameront « Il n'est pas ici ». Il est ressuscité. À Bethléem, c'est un nouveau trésor qui a été mis à jour. Les mains expertes des restaurateurs de l'entreprise Piacenti Spa ont fait retrouver aux mosaïques de la basilique de la Nativité leur splendeur première. Une restauration importante et une beauté qui laisse sans voix.
La dernière et retentissante découverte a été celle d'un ange, le septième, dont personne ne connaissait l'existence, ou mieux, que tous pensaient perdu ou détruit, comme la majeure partie des 2000 mètres carrés de mosaïques originelles, dont ne subsiste aujourd'hui qu'un peu moins de 200 mètres carrés. Ce fut le grand événement des 15 et 16 août, la réouverture du mémorial de Moïse sur le mont Nebo. Après des années de fermeture au public, la place à l'entrée du sanctuaire a accueilli des centaines d'invités pour l'inauguration d'un des sanctuaires et sites archéologiques les plus visités du pays. Avec le geste symbolique de l'ouverture des portes de la basilique, tous ont été invités à entrer et à contempler l'harmonie des couleurs qu'offrent les mosaïques restaurées et sécurisées. Pèlerins et visiteurs pourront retourner y admirer parmi les plus belles mosaïques de Jordanie et la basilique qui les abrite, dédiée à Moïse, l'ami de Dieu. 2016 a été une année de grande souffrance pour les réfugiés et les peuples victimes de la guerre, surtout en Syrie. Comme l'affirme Mgr Pierre Battista Pizzaballa, sur le plan international, dans cette confusion politique que connaît le monde, le pape est la seule voix claire et prophétique que nous puissions entendre et à laquelle nous pouvons faire confiance. De la Syrie est arrivé également un message d'espérance. Nous avons besoin des surprises de Dieu. Avec ces surprises, Dieu élargit nos horizons et nous offre la nouveauté qui peut changer le monde et nos vies. L'année qui s'achève a été difficile et plus que jamais, nous avons besoin que nos horizons soient ouverts et que notre espérance soit ravivée. C'est le message de Noël qui arrive d'Alep du père Ibrahim al-Sabah. Dans cette ville du nord de la Syrie, on compte au moins 40 000 morts depuis le début du conflit. Les deux tiers des chrétiens ont fui le pays. Sur les 300 000 qui peuplaient la ville avant la guerre, seuls 50 000 sont restés. Le massacre continue depuis des années, mois après mois. Et pourtant, c'est lorsque l'espérance semble perdue qu'elle parvient à refleurir. Et elle le fait sur les visages des enfants de la paroisse et dans leurs vœux de Noël. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la Terre du cinquième évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web.